Bavat Hashem, le Chok l'Israël aujourd'hui est dédié par la famille Ben Baruch, Lilu Nishmat, Hanina, Bat Solika, Bechorot, la page 30b. Tanoura Banan, Abba le Kabel d'Ivre Chaverut, c'est-à-dire le Kabel Vifne Shlosha Chaverim. Il y avait, à l'époque du Talmud, il y avait des gens qui ont pris sur eux de se conduire à la, dans la, le stade de pureté d'un Kohen. Ils n'étaient pas Kohen, mais ils se sont pris sur eux le niveau d'un Kohen. C'est quoi le niveau d'un Kohen? Le Kohen doit faire attention où il va pour qu'il n'y aura pas d'impureté. Le Kohen doit faire attention à ce qu'il touche. Parce que s'il touche quelque chose d'impur, il devient impur. Okay? Il doit faire attention à ce qu'il mange, que tout soit en pureté. Le Kohen doit être d'un stade de pureté très élevé. Il y avait des gens qui ont accepté sur eux de se conduire comme un Kohen, malgré ce qui ne leur concernait pas vraiment. Et ce genre-là s'appelait Haverim. Haverim. La Gemara nous enseigne ce matin, Abba le Kabel de Mechaverut, si tu veux devenir dans ce groupe qui s'appelle Haverim, Tsarich le Kabel Bifne Shlosha Haverim. Il faut qu'il y ait trois Haverim déjà, et tu vas devant eux et tu leur dis, écoutez, je ne suis pas Kohen, mais j'aimerais être un Haver. J'aimerais me faire part de votre groupe. Et s'ils disent oui, oui, on t'accepte, oui, alors tu fais partie de ces groupes. Va filou talmid chacham, même si c'est un érudit qui étudie la Torah, tsarich lekabel bifnei shlosha chaverim. Mais si c'est un zaken, veyoshev bishiva, et non tsarich lekabel bifnei shlosha chaverim, si c'est un homme âgé, un homme chacham, un homme qui étudie toujours, et il veut devenir chaver, il n'a pas besoin de trois autres personnes pour l'accepter. Shekvar kibel alav, misha'a sheyashav. Le fait de s'asseoir étudier, déjà tu es à niveau. Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a décidé qu'il va s'asseoir étudier. Ça, ça montre déjà que tu es à niveau. Si tu viens et tu dis, moi je veux un chaver, qui dit Bechlal que tu vas tenir? Peut-être tu ne vas pas tenir et peut-être tu ne vas pas... Okay? Mais si tu t'assois étudier, parce que pour savoir ces lois-là, il faut étudier. Okay? C'est pas n'importe quoi. Parce que c'est tellement compliqué, le chaverut, c'est tellement compliqué ces lois au niveau de la pureté et impureté. Okay? Par exemple, quelqu'un impur, il a touché quelque chose. Mais la chose qu'il a touchée, est-ce qu'elle était mouillée ou n'était pas mouillée? Okay? Est-ce qu'il a touché, par exemple, les olives? Alors, il n'a pas touché l'olive. Il a touché la branche sur laquelle l'olive est connectée. Alors, est-ce que ça impurifie aussi l'olive? Et lui, il a touché rien que la branche. Il y a tellement de lois. Il faut étudier. Okay? Alors maintenant, si tu es Zaken, le Sheba Yeshiva, si tu t'assois dans un Yeshiva, c'est sûr que tu vas apprendre ces lois parce que tu voulais être avert. Tu n'as pas besoin que trois autres personnes t'acceptent. Il suffit que tu t'assis, c'est fini, tu es déjà chaver. Maintenant, Tanur Rabbanan, chaver shemet, ishto banav ne beto, arem becheskatan, atche chashdu. Quand quelqu'un devient chaver, mais ce n'est pas lui seul, automatiquement c'est sa femme et ses enfants. Parce que s'il doit manger, le manger en pureté, comment il peut le manger si chez lui à la maison, sa femme ne fait pas attention et ses enfants ne font pas attention? Alors c'est automatique. Si lui, il est devenu chaver, c'est sûr qu'il a parlé déjà à sa femme et à ses enfants qui doivent être au même niveau. Maintenant, lui, il est décédé, le chaver est décédé. On garde la femme au statut de chaver. Et on garde les enfants au statut de chaver. À moins qu'on les a vus faire quelque chose qui n'est pas au niveau du chaver, okay, là, on les enlève de leur statut. Mais tant qu'on ne les a pas vus faire quelque chose d'autre, on leur donne la hazaka. Ça veut dire que si quelqu'un est un homme kasher, pour n'importe quoi, quelqu'un est connu pour un homme kasher, shomer Torah, en mitzvot, si je n'ai pas de raison pour le suspecter, je ne commence pas à suspecter. Je dis, il est toujours bon. À moins que j'ai vu qu'il a fait quelque chose qui n'est pas kasher, je dis, ah non, de rien avant, je dois le vérifier celui-là. Parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas kasher. Okay? La même chose, dit la Gemara, la même chose, Chatser Shemochrim Batrelet. Il y avait des cours de maison où ils vendaient le trelet. C'est quoi le trelet? Le trelet, c'est du sang d'un poisson qui s'appelle Hilazon. Okay? Et le sang de ce poisson était bleu. Alors, il y avait des places, des fabriques, où ils fabriquaient la couleur bleue. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On prenait le fil de tzitzit, qui était blanc, qui était en laine, et on trempait dans le bleu. Maintenant, sur chaque côté, tu as quatre fils.
c'est 8 parce que tu le plies en deux, mais c'est 4 fils. Sur le 4 fils, tu as un bleu, 3 blancs. Un bleu, 3 blancs. Alors tu prends le fil, tu le trempes dans la couleur bleue et tu teins comme ça et tu vends. Maintenant, malheureusement, les ramaïm, les tricheurs qu'il y a toujours, ils sont arrivés à fabriquer la couleur bleue à partir de la sève d'un arbre. Et l'arbre s'appelait Kala Ilan. Okay? Quand tu regardais la couleur, tu pouvais voir aucune différence. Quand tu regardais la couleur, la texture, tu pouvais voir aucune différence. Et c'est un problème. Et c'est pour ça que dans la Gemara dit, qu'Akadosh Baruch Hu dit, moi, je m'occuperai de ce tricheur parce qu'ils sont arrivés à tricher tellement bien qu'on n'arrive même pas à détecter la différence. Okay? Alors, Akadosh Baruch Hu, moi, je m'occuperai personnellement de ce genre-là qui ont fabriqué cette couleur bleue falsifiée. Okay? Maintenant, dans une cour, ils vendaient la peinture bleue pour tremper le tzitzit, pour le rendre bleu. Okay? Il dit la Gemara ce matin, de la même chose qu'on a dit pour le haver, tant qu'on n'a rien vu de mal, on continue à le croire. Ainsi, un chatser, shemochrim batrelet, arei becheskata achetipasel. Ce chatser où on vendait le trelet, et tout le monde allait acheter le trelet, cette place, elle est toujours cachère tant qu'on n'a pas vu quelque chose de bizarre. Ça veut dire en d'autres mots, tu donnes la hazaka. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu ne veux pas dire, ah, je sais qu'il est cachère. Aujourd'hui, ils font une teouda. Des fois, ça frustrait les gens. Quoi, je dois payer tellement avec teouda et tout ça. Oui, mais tu sais, ça empêche beaucoup de choses aussi. Parce qu'il y a plein de gens, ils font des choses et tu n'as aucun contrôle. Okay? Alors peut-être ça énerve que ça coûte plus cher et le gars, il doit payer, il doit monter les prix, mais ça empêche des autres choses aussi. Tu comprends? À l'époque du Talmud, c'était par la parole. Quelqu'un, on faisait confiance, c'est celui-là, tu peux faire confiance, tu peux continuer à acheter chez lui. Alors pour dire que pour être haver, okay, il faut se mettre à niveau, et tout celui qui se joint à haver, il est automatiquement avec lui tant qu'on n'a pas vu quelque chose d'autre. Et aussi pour le magasin de Tehelet, elle est toujours cachère si on n'a pas vu quelque chose qui a été fait. On continue à croire que c'est cachère. Amen. Amen. Amen.